La lingerie apparaît de plus en plus dans les défilés. Ce n'est pas nouveau. Nous avions déjà remarqué depuis plusieurs saisons que les créateurs aiment travailler le pyjama et la nuisette pour en faire des vêtements de jour, voire des tenues de cocktail raffinées. La soie, le satin et la dentelle n'ont jamais été aussi tendance et les dessous sont célébrés de partout. L'originalité vient du fait que désormais les soutiens-gorge doivent être vus, en tout cas être aperçus, par exemple à travers un cardigan légèrement ouvert, l'air de rien. Sur la place de l'opéra, je ne les ai pas trouvés. L'autre solution consiste à jouer carrément la transparence, et Nina Ricci l'aura bien compris. On suggère, on suppose, on propose. Une bonne occasion de mettre en valeur toutes les matières douces de l'été, sans oublier le blanc et ses couleurs pastel. Je suis en pièce sur l'avenue et je ne peux pas recoller les morceaux par moi-même. Quand on évoque la lingerie, ce n'est pas sans oublier aussi le corset, véritable objet de convoitise et de mode. Christian Dior et Jean-Paul Gaultier le remettent au goût du jour, dans un esprit très couture. Et quand on vous dit que les dessous-dessus sont dans l'air du temps, il suffit de regarder le dernier défilé de Marc Jacobs, ou encore celui de Dolce & Gabbana, qui fait défiler ses filles en guêpière rétro à balconnet, réalisée dans des matières sublimes.